Bon, j'ai un build à tester, les boys. J'ai un build à tester. Alors, les runes, c'est Dark Harvest, moisson noire, rue offensive. En fait, c'est les runes de base, sauf que là, on prend ça. Et en seconde, c'est précision. Et on prend présence d'esprit, etc. Moi, j'ai plus. Alors, j'ai une préférence, il est vrai, quand je prends électrocute, parfois, ça dépend des match-up. Yasuo, typiquement. Ou Z, j'aime bien prendre précision avec triomphe et l'un ou l'autre. Au donneur, au coup de grâce. Il est vrai que je suis beaucoup moins fan de présence d'esprit. On va tester de build, je crois que le mec le joue dans n'importe quel. Dans n'importe lequel. Juste, j'avoue que Conqueror contre leur équipe aurait été pas mal. Hein. Wukong jungle, Shuga top. Bah, à part, franchement. Shuga support, Sylas. Wukong top, Sylas jungle, Orianna bot. La game peut se perdre sur juste mes ruines. Hein. Mais est-ce que c'est si grave de perdre des games? Non. Maintenant, j'en ai plus grand chose à foutre. Perdre ou gagner, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Ok. Ouais, ils sont trompés, frère. Comment ça, c'est la sup? Bon, on va aller voir le pauvre professeur parce qu'il n'est pas dans la sup. Alors, moi, on va dire que je sais. Oh, est-ce que je sais jouer à Kali? Peut-on appeler ça savoir jouer? Je ne sais pas. On va dire que je connais Akali. Donc, je peux peut-être me permettre de jouer des runes un peu différentes et faire un peu n'importe quoi. Comme par exemple, prendre l'arbre conquéreur, enfin l'arbre conquéreur, l'arc précision en seconde, l'arbre jeune, quand vous jouez Electrocute par exemple. Moi, je vous ai dit, j'aime bien de temps en temps, quand c'est contre du Z, etc., que je peux jouer Electrocute et qu'en même temps, j'ai envie de bagarre en fait. Voilà. Un Yasuo, typiquement, si vous savez esquiver ses Q, vous n'avez pas besoin de plaque d'os ni de seconde wind. Vous pouvez, moi, je pars Triomphe et Bordelaire. Je ne sais pas. Faire attention à mon HP. Elle est Dark Harvestable. Elle ne l'est plus. Ouais, est-ce qu'il est le Q gentiment. Ouais, my bad. Un peu débile le Frost. Là maintenant on va devoir jouer un peu safe. Le but c'est vraiment pas de se prendre des Q. On va. De toute façon ça va venir sous tour automatiquement. Donc au pire dans tous les cas. Ouais, bah j'ai mal joué. J'ai Omega mal joué, j'ai paniqué un peu. J'ai. Vraiment mal joué en vrai. C'est pas en ce moment, je joue méga mal sur mes flashs, etc. Ouais, vous battez pas, hein. Oh, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde hein, ce que vous faites, les gars. Non. Je peux pas, j'arrive. J'ai mon 6, je crache la wave. Elle perd une canon. Oui, il passe ta mère. Bah, final, l'ult, pixel. Hein. En fait, je crois qu'ils sont pas rendus compte que c'était pas worth que moi je vienne sans mon 6. J'avais pas de CD. Et la wave pouvait push. Je pouvais la push et lui faire perdre des CS. Donc, en gros, j'ai fait perdre toute une wave canon. Quasiment. Elle a pris un kill, j'en ai pris 3. Voilà. Je pensais pas que je mettais autant de damage, my bad. J'ai bientôt un ignite, let's go. Serais-je donc le hard carry de cette game? Well play. Let's go. Décale en bot.
train de la hype niveau 2. Putain, mais attendez. Let's go. On va te flasher ta daronne toi hein. On te flash in sans question gros hein. On te dive sans vergogne toi aussi hein. Oh, petit flop. Ça y est, si c'était bot, en vrai j'ai pas très peur, mais bon, ça j'aime. Putain, je perds la wave, je perds une wave de baiser. Je pense que je perds ma tour en vrai, non? Je perds pas ma tour? Si je la perds là. Je pense que je perds la tour. C'est une démonstration la game. Ouais, je perds ma tour. Oh, nice. En fait là faut juste vraiment faire attention à son ult. Peut-être que j'ai green en vrai là. Le teamfight de fou que je viens de faire frère. J'ai fait gagner la game tout seul. Ça je peux pas green comme j'ai envie en vrai. Je vais chercher Doriana. Oh, mets du respect sur mon nom. Bah tu perds, c'est bien ce nom. Bah tu perds sur mon nom. Aïe aïe aïe. Bah le build de fou furieux frère. Hors le fait que je commence quasiment la game en 3-0.